Salut troisième, monsieur Rigal pour la séance du jour. Alors aujourd'hui je vais vous demander deux choses. La première, dans votre grévis, de regarder à la page 391. On est sur les figures de style. On avait déjà vu les figures de ressemblance, d'analogie, la métaphore, la comparaison, personnification, allégorie. Et là on va regarder plus précisément les figures d'opposition. Les figures d'opposition, alors on va en regarder trois. L'antithèse, l'oxymore et l'antiphrase. Vous avez tout ça à la page 391 de votre grévis, leçon numéro 209. Alors donc je vous laisse, ce que je vais vous demander c'est de bien lire ceci, alors vous allez voir c'est assez simple, assez clairement expliqué, et de reproduire en gros la leçon sous forme de tableau, avec dans la première colonne de votre tableau le nom de la figure de style, dans la deuxième colonne la définition, et dans la troisième colonne, plusieurs exemples. Allez, on va dire deux exemples pour chaque figure de style. Un que vous pourrez prendre dans la leçon, et l'autre, soit que vous inventez, soit que vous allez chercher. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Les figures d'opposition à noter dans le tableau. Et la seconde chose que je vais vous demander, c'est de continuer à écrire donc votre journal d'un confiné, d'un pestiféré, d'une quarantaine, d'une retraite. Donc ce journal, d'ailleurs j'espère que certains l'ont poursuivi, n'ont pas attendu les consignes. Hein. Chaque jour, je vous invite à écrire ce journal. Il n'y a que les activités obligatoires en fait qui devront figurer, mais si vous voulez en faire quelque chose de plus personnel, un document historique sur une période que vous aurez vécu, hein, comme Anne Frank, n'attendez pas que je vous donne les consignes pour écrire. Donc aujourd'hui ce que je vous demandais dans votre journal de confiné, c'est de faire le point sur cette première semaine, de faire le point sur notamment le travail scolaire, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, ainsi que tout le reste peut-être qui a pu advenir dans vos vies. Voilà, donc aujourd'hui on fait le bilan de cette première semaine cloîtrée chacun chez soi. Vous avez vu, moi j'ai pas beaucoup bougé. Hein. Donc demain j'irai peut-être à l'étage, peut-être, si j'ai le droit. Donc alors j'en perds mes moutons que je vais retrouver de ce pas. Donc oui, le journal, votre journal, le bilan de cette première semaine de travail. Alors allez-y, réfléchissez comme vous savez faire maintenant, mais maintenant faites-le. Faites-le. Réfléchissez bien à vos idées, développez-les. Et oui, petite consigne supplémentaire, insérez une antiphrase, un oxymore. Voilà, les trois figures d'opposition, il faut les faire apparaître dans votre page de journal du jour. Voilà. Bon, la situation peut s'y prête hein, à l'opposition. Il s'agit en fait de penser à maintenant et de penser à avant. De penser à maintenant et de penser à l'après. Allez, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis, des questions. Voilà. J'essaierai peut-être de faire un live là sur YouTube dimanche. Dimanche, je vous confirmerai ça. Voilà, jetez un œil en live pour que s'il y en a qui veulent discuter, s'il y a des questions ou autre chose. Allez, bon courage à vous, les figures d'opposition, et on écrit sa page de journal intime, de journal de bord. À bientôt les troisièmes.